Vous savez, quand nous pataugeons comme nous avons pu patauger dans cette guerre, et que nous avons du mal à prendre des villes, il faut savoir poser le pour et le contre, et j'ai réussi. Enfin, du moins, je pense, rien n'est encore acquis. Comment faire tomber 3 grosses villes et un military dépôt, sachant que les deux armées sont totalement épuisées. D'ailleurs, j'aurais remarqué, ils ont carrément recruté un noble autrichien qui avait une grosse armée de 150 mecs. Je l'ai vu passer, je sais plus où est-ce qu'il est. Je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, mais il l'avait. Voilà, c'était un ancien noble autrichien. Mais j'ai combattu une petite armée où j'ai sauvé 30 mecs, 30 français. Faut savoir à quel point où on est rendu l'armée bavaroise, c'est qu'elle n'a plus rien, mais vraiment plus rien du tout. C'est-à-dire qu'elle va quand même recruter, il y avait des Anglais, des Hollandais, des Prussiens et quelques mecs à eux. C'est pour vous dire à quel point ils sont tombés bien bas. Du coup, à nous de jouer. Je me suis dit, comment prendre ces grosses villes? Il nous faut au moins une armée aussi conséquente en termes de qualité et équivalente à la mienne, en termes de qualité comme en termes d'hommes. Il n'y en a qu'un seul en France qui en avait, c'est l'empereur Napoléon. Et vu qu'il m'a la bonne, je lui ai demandé, est-ce que vous voulez bien prendre, cette ville est facile à prendre, Göttingen? Il m'a fait, ok, j'y vais. Et du coup, il a une armée de 240. Et c'est pas de la merde qu'il a un fusil grenadier, qu'est-ce qu'il a d'autre? Et là, voilà, des grenadiers à pied et tout. Moi, j'ai repris des mecs, j'ai refait mon premier régiment de Salzbourg, avec un peu la même consistance. J'ai quasiment plus d'infanterie, toute mon infanterie a quasiment été décimée, par contre, j'ai remplacé ça par des tirailleurs-chasseurs, donc des meilleurs tireurs. Donc, on va prendre Göttingen. Et je lui ai dit, bah, allez-y, sire, je vous dis que Göttingen sera facile à prendre. Et la preuve en est, c'est que c'est le cas. C'est qu'il n'y a plus beaucoup de monde. Regarde, en final, ils ont 308, c'est de la garnison. C'est pas des grands mecs. Non, c'est... il y a quand même beaucoup de vétérans, faut faire gaffe. Il va y avoir des vétérans, là aussi, 284, ça sera facile à prendre. Là, il y a cette ville-là qui est moyenne. Bon, là, il y a un mec, Stuttgart, qui sera aussi relativement facile. Et le military dépôt. Enfin, du moins, Göttingen, Geben ou le military dépôt. Ce sont déjà les trois nouveaux points faciles à prendre. Du coup, l'empereur a été d'accord avec ce que j'ai dit, et du coup, il a décidé d'attaquer Göttingen, et nous attaquerons à 2 Göttingen. Plus qu'à espérer. Oh non, putain, mais qu'il est con. Enfin, putain, non. Non, mais, va à Göttingen, et là, faut pas qu'il me foire. Par contre, s'il me foire, bah, on est dans la merde, quoi. Göttingen. Genre là, il n'y a plus. Oh putain, t'es sérieux? Il fait la gueule. Alors, si je lui demande un truc, juste de me suivre. Non. Bon, on va changer de forteresse. Go to, ça s'appelle... voilà. Putain! J'ai foiré le truc, putain de merde. Putain, merde! C'est la seule chance que j'ai. Près de lui. Vas-y, attaque Gibbon, s'il te plaît, sire. Oui. Oh oui, magnifique. Magnifique. Si je peux détruire cette ville, je le fais pour toi, sire. Vas-y, fais-le. Ah, prends la ville. Faut qu'il le fasse. Oh, Munich. Oh oui, j'accepte l'honneur. Donc j'ai la ville de Munich sous mon aile. Je vais y aller. Si on pouvait attaquer la ville, ça pourrait être hyper cool. Alors, ce qu'on va faire en attendant... on va te faire foutre. Alors là, lui, qu'il aille crever. Bon, faut que je fasse un truc. Et c'est plus qu'urgent. Bon, ok, donc là, va falloir me battre. C'est juste parce que j'ai plus de bouffe. Et les mecs sont en train de gueuler. Oh là 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 là. Donc évidemment, je suis hyper bien camouflé. Putain. Attendez, pourquoi la souris ne veut plus parer? C'est bon. Oh putain. Faut que j'évite les balles. Si j'arrive à me faufiler, ça me permettra surtout... Allez, mais va crever, connard. Voilà, il faut 2 coups par mec. Allez.
C'est genre le mec qui l'a fait. Oh, c'est limite. Retourne, General Merchant. Salut, je voudrais acheter un peu de bouffe. C'est le mec qui pille de ses réserves. Voilà. Ok, donc. Maintenant, ils ont plus faim. S'il te plaît, sire, attaque. Oui, je vais arriver. Je vais préférer tout ce que vous voulez tant que vous prenez cette putain de ville. Il nous la faut. Il nous faut cette ville, putain. On en a... Oh. Ah oui, c'est pas non plus folichon. J'ai 23 mecs, putain. Et prends cette ville, bordel. On s'en fout. Allez. Mais il faut qu'il la prenne, cette ville. C'est qui, lui? Ah non. Et prends cette ville, bordel. Mais faut qu'il... Mais pourquoi il la veut pas la prendre? Mais pourquoi il veut pas? Putain, mais c'est... Ah, oh, c'est la débandade. Mais vas-y, mais prends cette ville, bordel. Putain, mais pas possible d'être aussi con. Putain, j'ai deux villes maintenant, putain. Oh, autant, c'est bien, mais putain. Oui. Putain, mais vas-y, mais prends cette ville, mais faut que j'attaque... Mais il le fait exprès. Bien, bien, bien. Vas-y, on y va, on se trouve là-bas. Yes. Vas-y, vas-y, sir. Vas-y. Allez. Bah, il est là, j'ai lancé le truc. Il y en a pour 6 heures. Et on peut y aller, j'espère. Youhou. Allez. What? Attends, il m'a pas rejoint là? Oh putain! Et voilà, si en plus maintenant il me rejoint même pas. Oh le con. Oh putain! Et j'ai même pas mis ma cuirasse. Oh putain, la déchéance. Deuxième ville, deuxième échec, je sens. Oh putain! Oh la banane. On le loupe de nous. Putain, mais je pensais qu'il allait me rejoindre, moi. Oh, putain. Pourquoi il m'a pas rejoint? Putain, c'est pas possible. Ouais, les gars, y a plus qu'à prier, mais là, pff, j'y vais sans y aller, quand même. Hein. Oh, putain, sérieux. Il était à côté, il pouvait venir me supporter. Oh, si en plus je peux l'acheter, bah putain. T'as joué avec moi. Elle a putain les gars en intérêt à moi ça. Ah, oh, mais c'est vrai que j'ai pas mal de chasseurs. Oui, c'est vrai, j'ai pas mal de chasseurs. Ouais, bon, au pire, hein, chargez tous. Ouais, faut que j'y aille en zigzagant. Allez, les gars. Allez. Si on y arrive, je m'en fous qui est les pertes, mais faut qu'on y arrive absolument. Quoi. Et moi, aussitôt, victoire ou pas victoire, faut que je file illico prestayou. Merci. Faut que je file illico prestayou. Il va me falloir que j'aille m'occuper de Munich, il va falloir que j'aille recruter, il va falloir que j'ai encore pas mal d'argent. Ça va pas être cool du tout. Mais j'ai hésité tout à l'heure à prendre des cuirassiers, et ben j'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris que 20 sur 50. Enfin, en plus de ceux que j'avais déjà sauvés. Allez les gars, allez. Là, il va falloir enchaîner les morts, quoi. Enfin, les... Là, il va faire gaffe. Putain, mais vas-y, mais si aussi tu prends toujours des balles aussi, qu'est-ce que je te fasse, quoi.
Allez, allez. Allez, mais chargez, 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 nom de Dieu. C'est pas comme ça qu'on gagne des batailles, là. Foncez dans le tas, faites un truc. Faut les empêcher de tirer. Il va crever, toi. Allez, allez, on y croit. On y croit, nom de Dieu. On y croit. Il faut y croire. Putain. C'est pas pratique. Et voilà, mais pourquoi? Mais chargé, bordel. Pourquoi les mecs, ils y vont pas? Il faut y aller. Les mecs, ils y vont même pas, quoi. Sérieux, comment tu veux gagner? Mais putain, mais... Là, là, les pertes sont lourdes, sont très très lourdes. Bon, on est à 190 quand même. Bon. Allez les gars, mais putain, mais y'en a pas un qui me suit. Eh, mais, je sais pas, follow me alors. Je sais pas. Putain. Putain, là par contre, j'étais super l'empereur. Le mec, il vient même pas m'aider quoi. Enfin, moi, je suis juste là, je suis à portée. Putain, y'en a pas un qui va venir m'aider quoi. Ça, putain, mais vas-y, mais. Comment tu veux faire? Comment tu veux faire? Bon, bah, y'a plus qu'à attendre. Pourquoi ils ont pas chargé, bordel? On avait toutes nos chances de gagner au corps à corps. Ouais, c'est bon, c'est fini. J'ai 92 tués, 79 blessés, 183 tués, putain, quand même. Et il veut pas m'aider là. Plus 90 quoi, c'est 80. Ils ont plus que 100 mecs. Ça serait bien que l'empereur il y aille. Putain. Qu'est-ce que tu veux faire quand même toi on t'abandonne quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Pas d'autre choix, j'allais mettre une garnison. Illico Prestayou. Bon allez, on va la mettre Illico Prestayou. Unique. Après je sais pas combien de mecs qui m'ont attaqué. Et donc on aura encore perdu. Putain, ça me désole. Je sais pas comment on va faire. C'est alarmant. J'ai mis cette garnison ici. Je crois qu'on peut pas en mettre ici, les gars. Je sais plus rien. En se frayant un chemin. On va voir si eux ils. Ouais, mais eux ils représentent un risque relativement gros. Sans un mec. Ça se tente. Ça se tente. Ah putain, sans un mec. Manage Carnison. Et cette fois-ci. Alors, le moral en plus il est au plus bas. Super. Là on va prendre tous les Polonais. C'est une bataille. Putain. Putain, faut qu'on y arrive. Faut qu'on y arrive absolument. Carabinier, c'est une grande utilité. Impliquer la garde quand même. Pas le choix. 155. On a 155 pour aller prendre Guy et Ben. Protéger tout le tour. Ils se battent comme des chiens. Allez les gars, on y va, on y croit. On va peut-être pas y croire. Ah, si, non, c'est pour une deux, c'est bon. C'est mon espérance de vie. Et alors toi, j'ai pas traité ça. On va tous vous massacrer sans état d'âme. C'est parti.
Là, maintenant, on doit y arriver. On est obligé d'y arriver. Les gars, c'est maintenant ou jamais. Et on a l'avantage de 2 cette fois-ci. Nous devons prendre cette putain. Putain, 92 de cavalerie. Oh là là. Arrête, le chiffre me fait mal, vous savez pourquoi? Parce que c'est méga, c'est des cuirassiers, c'est des braves. Ils vont donc, ils sont très efficaces au corps à corps, mais avant d'arriver au corps à corps, ils entendent s'en prendre plein dans la gueule. Garde rapprochée. Follow me. Ceci, messieurs, est notre bataille. Ceci est peut-être notre gloire, mais nous devons réussir à poutrer ces 101 mecs. Il y en avait 300, globalement. J'en ai perdu tout autant, 200 à peu près. Non, j'ai dû en perdre 150 sur 200, donc 200 et des poussières. Non, oui, si, ouais. Bon, c'était plus beaucoup, mais eux, ils ont perdu plus de la moitié, ils ont perdu 2/3. Donc maintenant, il faut qu'on aille les poutrer, il faut qu'on aille les déglinguer. Quelque chose me dit que la victoire va être à nous. Mais pas sans difficulté, parce qu'une fois la ville prise, elle sera prise, il faudra la défendre tout autour, en gardant compte que je peux avoir mes villes qui peuvent se faire attaquer par l'ennemi. Si on arrive à la prendre, la guerre contre ces putains d'enculés de merde de bavarois sera arrivée à un certain stade où ils seront dans une merde intersidérale, intergalacticale. Donc c'est à nous de jouer dessus et de remporter la victoire. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. C'est du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Tremblent les ennemis de la France, ivres de sang et d'orgueil. Le peuple souverain s'avance, tirant de sang de son cercueil. La République nous appelle, sachant vaincre ou sachant périr. Un Français doit vivre pour elle, pour elle. Un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, pour elle. Un Français doit mourir. Et je crois que ce siège, on va l'avoir. On va l'avoir, ce putain de siège. Si je me fais pas casser la gueule entre temps. Oh, putain, bah. Allez, enculés. En plus, j'ai 2 mecs qui me protègent. Richard Shape. Et la victoire est à nous. Ah putain. Elle est à nous, la victoire. Ah putain. Et non, pod. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Non, pas d'oignon. Non, c'est quoi, c'est. Donc pas d'oignons à tous ces chiens, oui pas d'oignons aux Autrichiens. Non, je m'en peux plus. Ah putain, la victoire est à nous, putain. J'ai eu 9 morts, ils ont eu 89 et c'est pas fini. On sait pas à quel point ça me fait du bien. Ah putain. Mais bon, le pire reste à venir. La défense de cette forteresse. Et ça, ça va pas être quelque chose de drôle. On a réussi. Damn. Bah les gens... Alors, 14 vétérans, ouais, quand même. Ouais, hop, juste pour le plaisir, vous êtes des prisonniers. Oh putain. Ah non, je l'avoue pas. Putain. Ce fut bien dur. Il y a encore une ville à prendre dans le coin, là. S'il y a encore ces villages, je sais pas où ce qu'elle est, mais... Ah non, je sais pas qui elle appartient. Il y a pas trop de méchants monde dans le coin. 100, globalement. Bon, ça me laissera le temps de voir venir, j'espère. Si à chaque fois il faut faire 2 assauts pour être sûr de gagner, putain la gueule, on est mal barré quand même. Bon. Sacrée bataille, ma foi. Très très grosse bataille. Report, j'ai plus que 2 d'honneur, 67 de morale, partisan, et je suis maréchal de l'Empire.
Bon. En espérant que je fais assez. Wait. Hop, on va se mettre là. Wait for some time. Ouï, ouï, ouï. Ouï, ouï, ouï. Ah, attends, ça fait du 140. Oh là 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 là. Ça sent pas bon. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait venir m'aider. Beaucoup de fusillés. Il a déjà été blessé. J'en ai combien, moi? Oui, oui, oui. Je crois que j'ai fait une connerie parce que j'ai bougé. Ah, il pue. Bande de chiens galeux. Vous savez pas que j'étais là, hein? Salope. T'as les mecs, ils me craignent carrément. Oh, toi, par contre. On va l'attendre. Avec 6 grenadiers à pied. S'ils pouvaient passer pas trop loin de moi. T'as les mecs qui vont. Non, on va se casser, hein, parce que bon, on voudrait pas t'emmerder. Hein. Bah oui, bien sûr. Oh non, je suis pas là. Oh putain, par contre, le truc que je sens pas, c'est que s'ils viennent je dans le cul. Mais bien violent quand même, hein. Ou alors toi, par contre, si t'es dans le coin, je vais pas te louper, mon gars. Oh, toi, je vais pas te louper. Oh putain, pourquoi il s'est arrêté? Oh yeah. Et eux aussi, ils vont pas me louper là pour le coup. Ils veulent récupérer leur cité. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Par contre, oh putain, mais alors là, il y a toutes les armées prussiennes qui les ferlent. Oh la banane. Oh la banane. Vous ne l'aurez pas. Si je fais fuir les quatre armées, c'est quand même la classe. Je fais fuir les quatre armées, et c'est la classe. Mais maintenant, il va falloir se battre. Il va vraiment falloir se battre tôt ou tard. Et il va falloir les faire tomber un à un. Ah, moi j'ai passé par là, du genre, non, je me casse. Merde, il y en a un qui m'a vu. Oh non, je me casse, moi perso, je vais bien. Merde. Oh non, moi je pars. Oh non, je me casse. Bon, on va aller là. Hein. Alors il va rien venir. Salut, fils de pute. Nickel. Nickel. Allez, dernière petite bataille pour ce 8ème épisode, et ça sera bon, je crois. Je pense qu'ils prennent cher, ils sont... Ouais, ils ont pas eu encore beaucoup de pertes. J'ai profité de charger la cavalerie, c'est pour ça. J'ai tiré sur l'arbre, je crois. Quand ils leur resteront 50 mètres, je crois que je vais faire charger la cavalerie, qui attend bien sagement derrière. Ils ont pas l'air de savoir ce qui va leur tomber sur la tronche. Bon, allez, fini de jouer. Chargé. Parce que je dis à la. Enfin, oui, j'ai un petit temps d'avance sur la cavalerie, donc avant que j'y. Voilà. Parce que j'aurais été tout seul comme un con. Maintenant, on peut y aller. Allez, fini de jouer. On va foutre une branle à tout ce beau monde. Voilà. Le sol est déjà jonché de mort. C'est impressionnant. Hop. Et il me semble qu'ils ont de l'artillerie. Oui, parce que tout à l'heure, ça a pété devant eux. Donc on va peut-être aller nous débarrasser de ces chiens graleux. Salut toi. Ouais, donc ça, ils sont finis. Ici il y a un panache de fumée. Non, c'est de l'infanterie. Il faut de plus. Mais j'ai vu sur le sol là des boulets de canon. Ça veut dire qu'il doit y avoir des cibles potentielles là-bas. Bon, on va les choper. Au pire, je regarde ma carte. Hein. Il y en a un qui va être devant moi, juste ici. Ouais, je le vois. On voit du blanc. Boum, t'es mort. Et en effet, il y en a deux canons. Ouais. Bon, maintenant tout le monde a à peu près deux canons de 12. Et on va pouvoir peut-être se faire un joli petit massacrouné. Ouais, donc là, les artilleurs sont dans l'incapacité de tirer. Si Emira, tu pouvais te battre un peu, je voudrais pas t'emmerder quand même. Donc je pense qu'après cette campagne bavaroise qui fut particulièrement longue et éprouvante. Hop là, longue et éprouvante. Je pense que ils auront bien mérité des nouveaux grains de mes petits collègues. Youhou, content. Ok. Hop là, ça c'est nickel. T'es prisonnier maintenant. Y a-t-il d'autres armées qui pourraient nuire? Et ici il y a un semblant d'armée. Ici il n'y a pas un semblant d'armée du tout, il y a une grosse armée.
Je sais pas pourquoi je crains le pire. Ah non, ils vont vers Leipzig. Oui, c'est chez vous, ça. Et il faudra aussi un jour y penser, les neutraliser tous. Ok. Allons-y. Bon, tant pis, les bandits, je coupe. On se retrouve, je pense, directement. Sauf s'il se passe autre chose. On se retrouve direct. Ouais, on s'en fout de notre in-game, on va te dire. 109. On va se partager les troupes. Coucou. Allez, on va aller là. Tac. Cardinal, on va améliorer tout ça un peu. Ouais. Bon, écoutez, amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein, pour ce 8e épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à nous retrouver sur Instagram, les gars, sur Instagram, à vous abonner comme d'hab, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien et à la prochaine.